Le Père Noël est déjà de sortie dans la circonscription numéro 13. Nous l'avons rencontré à Rivière des Anguilles. Pour la petite histoire, le nom du village est la traduction littérale de Pannings River, qui en hollandais veut dire rivière des anguilles. La circonscription compte 35 297 électeurs. Revenons au Père Noël. Pourquoi est-il sorti si tôt cette année? Bonjour Père Noël. Bonjour. Donc on sortit un petit peu en avance cette fois-là, hein? Oui, on sortit un peu plus bonheur parce que les deux finissent sortir avant moi. D'accord, mais là, c'est tout fait d'un cadeau et augmente pension pas aussi, augmente salaire pas là. Ou qui cadeau ou pour amener pour nous? Moi, je vous donne un ceinture parce que ben là, quand vous finissez, vous vous insérez. Merci beaucoup. Mais tels les hommes politiques, le Père Noël n'a pas été à l'écoute des habitants de la région. Sinon, il leur aurait rapporté de l'eau, car l'or bleu fait défaut dans toute la région. Ici, nous avons un gros problème de l'eau. Pas dans tout quartier de Rivière-des-Anguilles, nous n'avons pas ici, jusqu'à Batimaré, et vous pensez qu'on diable aussi. Donc, peut-être un problème de l'eau qu'on n'a pas résolu. Nous avons un gros problème de rein. Donc, et des fois, nous avons un problème la lumière au niveau du conseil du village. Des fois, nous avons beaucoup de complaintes, mais dommage, nous avons un globe. Nous avons beaucoup de misère à passer. Tous les temps, problème de l'eau. La pluie, soleil, tout. De l'eau, misère même. 3h du matin pour faire nos ouvrages, pour nous gagner de l'eau, pour gagner pour tout. Pas capable de tenir dans le baril, pour nous fatiguer. Ça nous a envie de tout changer. Mais les larmes, nous fatiguer, tient de l'eau dans le baril. Les bras font mal. Nous fatiguer, mon malade, mon fini à l'hôpital pour moi. Oui. Pour fatiguer, de l'eau. Faciliter la vie un peu. Oui, ça va faire nous gagner de l'eau. Pour nous, c'est bon. On va nous aller bonnet, on va nous fatiguer. Plus loin à Souillac, l'eau ne cesse de démontrer sa force. Mais les robinets, eux, sont toujours à sec. Enfin, grand matin, nous gagnons 8h, jusqu'à 8h. Après 8h, nous allons gagner. Enfin, après midi, pour faire 5h. On fait la fête là, même là, je peux gagner de l'eau là-bas. C'est une fête très classique. Dans le public, pour ne pas venir, on a des problèmes, on ne peut pas cause de l'eau, on ne peut pas gagner de l'eau. On ne peut pas faire non rien, on ne peut pas faire non rien du côté de l'eau. On dit que maintenant, tank là aussi. On ne peut pas faire tank là, il n'est pas rempli parce que le bonheur, le robinet, finit arrêté. On ne peut pas pour remplir, pour nous gagner servir. C'est tout pour la toilette. C'est un problème. Quand je vais dans la toilette, pas facile pour flèche. L'autre problème persistant de la circonscription est le manque flagrant de loisirs pour les jeunes. Premièrement, fait un peu qui se retrouve dans les enfants, les pauvres surtout. Qui nous gagne, enfin, l'éducation est bon pour les enfants, mais tout le bon l'éducation, mais. Côté pour manger mon pauvre, un petit changement, et d'autres quelque part. Et pas chez ici, tout bon. L'environnement bon, c'est moi, man petit fluo, la drogue, ça, partout, mais c'est moi, nous, l'environnement est bon. Mais si je suis capable de faire un petit quelque chose pour manger mon pauvre, et de nous, quelque part, bien de nous bon travail. Nous, manger mon comment nous bon travail, mais il est vraiment difficile pour nous vivre. Nous amener la vie comme ça, surtout les gens qui sont ici, qui nous gagnent du travail, c'est bon pour nous. Un petit amélioration au niveau du travail, c'est bon. Kim, travailleuse sociale, a les solutions, mais pas les moyens. Et moi, je peux lancer un appel pour les jeunes, pour qu'ils nous jeunes, pas de la drogue. Hein. Peut-être un petit peu pour nous dire un petit projet pour les jeunes, dans l'endroit et dans les alentours. Franchement, les enfants de nos jours, tu as la même chose à mettre de l'école de Rivière-des-Anguilles qui nous fait un petit discours. Donc, nous trouvons que les enfants vraiment, vraiment, perdent un petit peu, lose track, comment nous dire. Ils perdent un petit peu respect, mais ce n'est pas la faute des enfants, nous avons besoin de la source du problème. C'est la faute de qui? Des parents, puis des leaders. Ils ont influencé par quelque chose, c'est ça que nous avons besoin d'aider. Parce que si nous pouvions avec nous pouvons dire oui, là, nous avons besoin de la source du problème pour nous capables de faire une conclusion réussie. Une solution. Ça, c'est très important. Mais moi, j'ai un sport. Mon pôle, un sport.
Et aussi, nous avons fait, maman trouve nous avons retourné à l'ancienne. Nous avons remontré nos jeunes un petit peu, comme nous disons le mot en jeu, car un petit peu le human values, les family values qui nous payent un petit peu. Donc ça, nous pouvons mettre un petit peu l'emphase là. Après, nous avons l'écoute de ces jeunes là qui se pérodent, nous ne pouvons pas venir là, mais pour un tas de projets là, quand nous on vient les affaires. Hein, ça, c'est très important, nous sommes à l'écoute de nos communautés, écoute de tout le monde, même les enfants, des fois, nous prenons une idée aux autres qui nous pouvons faire. C'est très, très, très important. Et bon, mon Dieu, God bless Mauritius. Est-ce que les choses vont changer après les élections? Ou faudra-t-il toujours croire au Père Noël?